Bonjour à tous, c'est Mayfield et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures, parlons sur le marathon de Final Fantasy. On est actuellement sur les années suivantes Final Fantasy 4 et on a extrêmement bien farmé. Voici notre team de personnages qui était complètement à la ramasse et passé 65 presque pour tout le monde. On a monté comme il se devait les compétences et les aptitudes. On va pouvoir continuer du coup sereinement et ça va être cool sans pouvoir trop se prendre la tête. Donc on a juste farmé ici là où on était. Lune nouvelle, est-ce que magie noire est augmentée? Non. Du coup on a farmé ici avec des ennemis qui me donnaient effectivement vous avez vu hein, en termes de guilds on est très 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 bien et on a farmé les ennemis qui me donnaient jusqu'à 11-12k par fight en XP, donc c'était énorme. Enfin là, tu viens t'occuper de nous? Où est Bahamut? Et juste une autre copie. Je n'avais pas prévu que vous soyez aussi coriace, mais vous n'avez pas votre place dans ce nouveau monde. L'heure est venue pour vous de disparaître, et votre bourreau ne devrait pas vous être inconnu. Ouais, on va se battre contre Bahamut. Bahamut, lui aussi est sous son emprise. Je vous en prie, réveillez-vous. Bahamut. Est-il vraiment sous son contrôle? Je ne permettrai pas que cela se termine comme la dernière fois. Vas-y, Bahamut, annihile-les. Bon. On va s'amuser un petit peu, on va voir déjà si ça passe. Météore, très bien. Voilà pourquoi on Apex. Parce que sinon, elle one-shot tout le monde. 5, coopération. Toi, tu vas faire l'étincelle ultima sur tous. Toi, tu vas sauter sur la fille énigmatique. Toi, tu vas invoquer... je mettrai bien Azura pour voir ce que ça fait. Et toi... Oh, elle m'a remis tout le monde full life. Toi, tu vas faire de la coopération. Éclat sacré. Oh, on va peut-être éviter tout de suite de faire de la coopération. Magie blanche, bouclier, étincelle ultime. Hein. 11k, boum! Déjà, annonce du lourd. Ah, il fait du méga flair lui. Coopération, étincelle ultime pour tous. Elle, magie noire. Elle a appris météore pour tous. D'accord, donc on peut pas attaquer la fille énigmatique, ça commence bien. Magie blanche, barrière pour tous. Voilà. Kane, sauter sur Bahamut. Voilà. On lui fait du bien. On est quand même pas foufou. Niveau vie, là, son méga flair. Oh la cochonne, elle a annulé mes effets magiques. Ça va qu'il y a la barrière qui repart. Et qui redescend. Je pense qu'on va se manger un méga flair. Une... Ah là 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 là. Sans effet, merci. Rosa, méga fission. On va faire un soin 4. Pour tous, pour tous. Toi, tu vas... Non, tu vas juste sauter. Bahamut. On a bien fait du coup de... Bahamut, c'est moi. Tu dois retrouver la mémoire. Bahamut. Ce n'est pas à cette lune que tu appartiens. Vous perdez votre temps. Votre Majesté. Ouais, il a défoncé Azura. Bahamut. Sire, s'il reste sous son emprise, nous n'avons pas le choix. Bras de marée. Allez, bisous toi aussi. Sire! Allez, achève-les! Qu'y a-t-il?
Bim. Non, non. Tu oses imaginer avoir le droit de régner sur les Ions? Comment? Les Ions ne sont pas des pions. La lumière est-elle dans ton cœur? Bah, Muc, le progéniteur sacré des Ions décidera de ton sort. Mais miroir, c'est inutile. Elle est Bim. Bahamut. Rydia, les Ions seront toujours avec toi. Bahamut retourne auprès de Rydia. C'est ça qu'on veut. Merci, Rydia. Sans toi, Rydia, Bahamut n'aurait pas pu être sauvé. Je n'en attendais pas moins de Bahamut. Je ne crois pas que ce soit la fin, pas encore. Vous avez appris tous les sorts d'invocation qui ne sont pas secrets. Ok. Si tu le dis. Non. Hop. On va faire un petit soin 3 sur tout le monde. Voilà. Tout le monde dit ok. Donc ça, c'est cool. Hop, les. On va poursuivre notre descension. Puisqu'on descend un petit peu. Hop, là. Oh, je suis sûr qu'il y a des trucs à droite et à gauche. Alors, ta coopération étincelle ultime sur tous. Coopération colère divine sur tous. Magie noire, météore. Voilà. Donc le dragon bleu fait extrêmement mal avec son blizzard, vous allez voir. Bam. Mais plus je lui inflige de dégâts, moins il fait mal. Un peu le problème. Voilà. Et on gagne quand même 11k. Hop. Est-ce que j'ai encore beaucoup de potions? Ah, j'aurais dû racheter des super potions. Avant de partir à l'aventure comme je viens de le faire. Dommage. J'ai fait un peu n'importe quoi là. Revenir sur les pas. Encore? Ah, il n'y a plus de PM pour Cécile. Pas grave. Hop. Ça fait plus très mal. Parfait. Perfecto. Rosa augmente, c'est propre ça. Un élixir. Très très utile. Et un casque lunaire. Alors, que fait le casque lunaire? Augmente la magie, l'esprit. Ah, je vais perdre en magie. Bon, c'est parti. Toujours Cécile avec côté de sa côte lunaire, c'est bien ça. Tac. Les BMOD sont relous parce qu'ils contre tout. En étant ce que ça demande à Rosa du coup d'intervenir et je peux plus faire de sacrement. Magie. Là, mine de rien. Ça pique un peu. Mine de rien, ça pique un peu. Oh là. Ménade. C'est quoi ce délire? Magie noire, le 3 pour tous. C'est passé, sacrement. Non, je pense que ça va finir. Ah bon? Attaquer. Ah ouais? Comment ça, un Golbez? Qu'est-ce que tu me fais? J'ai l'impression que plus il monte, moins il est fort. Eridia monte de niveau, ça c'est cool. 66, tac. Il y a plein de filles. Hein. Où se trouve le cristal suivant?
Quelle est notre mission suivante? Ah d'accord, ok. C'est des pantins ce truc-là. Pas beaucoup ça. Ah ouais, il y en a carrément dans les... Non mais elles sont construites ici en fait les gonzes. Je suis pas sûr que... Ah on va essayer de se régénérer un peu quand même. Oh, les prières qui fonctionnent pas là. Rosa, j'ai besoin de PM. Bon, Rosa se prépare pas, donc la prière va échouer. C'est sûr, en fait, tu le vois quand Rosa se prépare ou pas. Ah, sur tout le monde. Ah ouais, non, les sous-digestifs, c'est pas fou. Est-ce que Rosa, tu peux te préparer? Oh, échouer encore. C'est pas possible, elle va échouer trois fois. Ah non, c'est bon. Tant pour moi. Elle a remis tout le monde full life. On va voir. C'est quoi ça? Ça tombe bien, on faisait pas de sort. Bon, écoute. Si ce n'est que ça. Ça rate en plus. Écoute. On prend, hein. Bon, ça veut pas s'ouvrir. Oh, c'est qui ça? Elle est toute petite, la demoiselle. Avec sa petite barrette. Qui êtes-vous? Je suis Rydia. Quels sont vos ordres? Oui, reste ici et sois une gentille fille, d'accord? Je dois rester ici? C'est ça, tu promets d'être sage? Compris. Ok. Point de sauvegarde. Pas de téléporteur, c'est quoi du fight? Oh non, un monsieur Morbol 1005, ah ouais. You don't déconner de with the truc. Nuage fétide. Ah ouais, en plus ça empoisonne, entortillé. Ah ouais, c'est du full monsieur quoi. Ça bizarre son nuage fétide. À combien il se régène? Ok, super. Que je t'enlève avec une attaque. Il m'enlève pas de points avec son nuage fétide. Donc Rosa elle peut. Sacramenté. 33 points, c'est énorme. Et plus de la moitié d'une attaque. Une attaque de coopération en termes de PM utilisée. Ah les souks, ça va être autrement ça. Bon voilà. Ça c'est fait, on va utiliser quelques antidotes. Niveau de Cécile augmente. Cool. Menu, objet. Antidote c'est là. Hop. Et en termes de PM, on en est où? Pas si mal que ça au final. C'est quoi ces trucs là? Il y a des escaliers. Attends. Je vais sauvegarder avant de me retaper contre 40 000. Merci. Oh, il y a un TP, cool. Alors, du coup, je vais faire une mini-pause. On va sauvegarder là, sur le 5. Je vous reprends après, je vais acheter des potions, etc. A tout de suite. Nous voici de retour. Du coup, on a dépensé presque toute notre thune. On a acheté, pas des super potions, mais on a acheté des méga potions, des maxi potions. On a acheté du super éther et de l'éther. Je crois qu'on est bien. Au cas où, on peut pallier à toute éventualité. J'aimerais bien aller voir un cristal... Ben voilà, on a récupéré le cristal des ténèbres. On va aller tous les récupérer. Et se fight sur le chemin contre un dragon magique.
Écoute, dragon magique, coopération. Spiraler, non, étincelle ultima. Toi, tu vas me faire une coopération, colère divine. Et toi, tu vas attaquer. Ah ouais, mais souffle obscur, ça tue quelqu'un, ça. Ah non, ça fait très mal. Ah non, c'est le truc qui contre-attaque toutes les magies, là. Non, tout bon. Il m'a fait fermer son clapet. Il m'a fait mal ou pas? Magie. Rapidement. Voilà. On va faire tous les cristaux du bas. On va faire tous les cristaux du haut. Je pense que je vais les récupérer en off. Si juste récupérer les cristaux, c'est pas intéressant. Je vous reprends quand il y a des choses qui se passent. À tout de suite. Bah, ça a été très rapide. Voici. Qui me dit ce cristal, je ne l'ai jamais vu. Ah, mais il veut pas le prendre. Bon, tant pis. Allons chercher un autre. Alors, nous voici de retour. On a récupéré un arc de percée et des flèches de percée, du coup, de part en part. J'ai pas vu même s'il y avait autre chose. On va prendre un petit pain de gnome. Non, il y avait que ça. Hop, on a récupéré presque tous nos cristaux, je crois que même tous nos cristaux. Ici, il manque un cristal. Il y a un cristal qui n'apparaît pas. Et ensuite, aux extrémités là, là et là, c'est des cristaux que on n'a jamais vus. Et donc, Cécile ne veut pas les prendre. Voilà. Donc, on a rencontré des ennemis assez nouveaux. Donc, on va aller, tout simplement, aller se reposer au point de sauvegarde. Sauvegarder maintenant qu'on a tous les cristaux. Sur une autre partie, pour être sûr que d'avoir pris les cristaux, ça ne nous a pas fait perdre quelque chose ou autre. Et puis, on va ensuite aller dans la salle juste au nord. On se retrouve tout de suite. Tac, voilà, on va sauvegarder, on va se retrouver au nord, en espérant ne pas trop rencontrer d'ennemis. Rateille. Un petit dragon bleu que vous n'avez pas encore vu, qui contre avec stop, qui n'aime pas trop. L'attaque de Kane et de Rosa. Oh, depuis quand tu survis, toi? Merci. Incroyable. Hop là. Qu'est-ce qui a été augmenté? Ah non, c'est baisse de l'attaque physique, donc forcément Ridja fait moins de dommages. Okay. Oh! On va utiliser un pain de gnome. Ok, un coffre en bas à droite, un coffre en bas à gauche. Et ben on est parti. Ok, une petite musique là. Ah. Embuscade. C'est pas très très grave. Alors Colbez va attaquer. Et va finir ce fight. Parfait. Rose augmente. Sa magie augmente, c'est bien, mais pas ce qu'on voulait. On gagne plus trop d'XP sur les messieurs qui sont là. Par contre, clairement, est-ce que tu peux te calmer? C'est un fight où le sacrement peut faire du bien. Clairement, on sait que contre Dragon Bleu, on peut se soigner. Tout va bien. Par contre, ça serait bien qu'on puisse avancer un petit peu en fait, sans se faire. Marrant cette petite. Ce petit truc. Miroir. Je crois que à part te taper dessus, on fait rien d'autre. Donc, ça, c'est bon. Voilà, hop. T'as mangé tes 24K. J'aime beaucoup l'étincelle ultima. J'aime beaucoup, on va peut-être l'arrêter. Oh, Kane qui monte. Peut-être l'arrêter, on va la garder pour les boss. On va aller. Ça se fait rien, ouais. Un remède. C'est pas trop dans ce qu'on voulait. Tac. Donc là, on peut continuer. On va attaquer le dragon de cristal. Il va répliquer par stop à chaque fois, mais c'est pas très grave. On va faire de la magie, on va faire du météore là-dessus. Sacrement.
Toc. Essayez de se régénérer un peu les PM. Voilà, c'est parfait. C'est parfait ça. Point faible avec notre ami Kay. Il le démonte. Je pense qu'on va garder le fight comme ça pour l'instant. On a l'avantage. Très bien. Il faut faire attention parce qu'il attaque quand même trois fois avec sa tête. 1, hein. 2 et 3. Ce qui fait que quand il attaque toujours le même, là, ça peut faire mal. Tac. Et oui, là, il me faudrait un petit objet qui me permet de dépasser les 9999. Oh, un coffre bleu. It's the first time what I see, the coffre bleu. Yad, c'est quoi ça? Je crois qu'il devient fou. Ça tombe bien. Il n'y en a qu'un seul qui devient fou. Bon, c'est parfait. Voilà. Hop. Les Golbez montent de niveau. Mais c'est bien, tape-toi plus souvent, tu montes de niveau, c'est cool. On va peut-être se heal. Coffre bleu, moi j'ai pas... La confiance elle règne plus trop dans les FF. Percevez une forte présence hostile à proximité. Voulez-vous offrir ce coffre? Je savais qu'il y avait un truc. Odin lunaire. Oh God fight. Ok. On réfléchit. Ok. Heureusement qu'on a baissé l'attaque. Hein. Heureusement que l'attaque est baissée. Hein. Retenez bien que l'attaque est baissée. Magie blanche, célérité sur Rosa. Invoquer. Magie blanche. Bouclier. Pour tous. Passer. Ça c'est fait. Rosa, God. Magie blanche, bouclier pour tous, coopération, étincelle ultima sur tous, magie blanche, j'aurais mis célérité, je vais mettre un leurre sur Rosa, tiens. Magie blanche, B2, on a pris B2 sur Rydia. Pourquoi il lève son truc, le monsieur? Qui a une casse-toi, putain. C'est que du 8K avec l'étincelle ultima, c'est pas foufou. Je vais faire du... Je vais mettre lenteur sur Odin. Imaginons, je vais mettre metteur, mon gars. Ok, on peut ralentir Odin. J'aime cette chose. Coopération, étincelle ultima sur tous. Magie blanche, bouclier sur tous. Elle est au top en célérité. Sacrement sur tous. Dis-moi que Meteor ça fait du bien. Allez, c'est bon. C'est bon. On va changer de stratégie. Magie noire, météore sur tous. Sacrement sur tous. Magie noire, vite, météore pour tous. Magie blanche. Ok, ça s'entend. Magie blanche, I2 pour Cécile. Ça. Kane, il va sauter. Magie blanche, soin 4 pour tous. Voilà. On va remettre un soin 4. Et chic. Voilà. Ok. Parfait. T'attaques deux fois maintenant.
Magie blanche, non. Attaque. Voilà. Magie blanche. Moins 3. Lydia. Ça c'est bon. Kane, tu vas mettre de la célérité sur notre amie Lydia. Vous faites la même chose. Pardon. Rosa, sacrement sur tous. Magie blanche, célérité sur Golbez. Hop les gars. Pour qu'il charge un peu plus vite. Lydia, magie noire, metteur, ça oui. Magie noire, metteur, ça oui. Magie blanche, soin 3, Hurricane. Super. Maintenant tu vas sauter. Il va me défoncer ma Rosa. Objet. Queue de phénix sur Rosa. Il a vu où était mon point fort. C'était Rosa qui avait tout carry. Magie blanche. Moins 4 clairement sur Rosa. Oh bien Cécile. Non cochon. Mais ça va, tu veux pas non plus attaquer 37 fois? C'est n'importe quoi ça, objet. Ok, queue de phénix sur Cécile. Objet. Queue de phénix. Sur Rosa. Magie noire. Non. Invoquer. Invoquer. Plus invoquer grand monde. Ça c'est fait. C'est marrant, on a plus de. C'est quoi ce fight? Oh ok, d'accord, super. Golbez, objet. Super éther. Sur Golbez. Objet. Super éther. Sur Lydia. Magie blanche. Célérité. Rosa. Magie blanche. Moins 4 sur tous. Sur tous. Objet. Maxi potion. Rosa. Objet super éther sur toi. Objet super éther. Toi. Blanche, point 4 sur tous, magie blanche, célérité, Lydia, toujours en célérité je crois. On va se faire déglinguer, que j'ai pas de bouclier là. Magie blanche, bouclier, tous, magie noire. Météore tous, magie noire, météore tous. Sauter. Ah, trop tard. Ok, magie blanche, moins 2. Pour tous, magie blanche, moins 3. Pour tous, on va lui faire un soin 4. J'ai voulu. Allez! Odin, c'est dans la pocket. Il me file quoi, l'Odin lunaire, du coup? Pas d'XP, pas de guild, c'est bien. Obtenu Ragnarok. On a marché sur la lune. Ouais, 120 lumière. Lumière efficace contre les morts vivants. Il augmente la vigueur, augmente l'esprit. La défense, l'attaque, c'est propre. C'est propre, c'est propre. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais me remettre comme il se doit. Et puis, on se retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures. Salut, salut !